vidéo news ce matin sur le Reveal and Stuff, je me suis aperçu que ça faisait 2 ans tout pile presque que Goku Ultra était sorti. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, pourquoi pas parler du sujet, pourquoi pas le premier Zenkai pour Goku Ultra. Ça serait juste trop cool et honnêtement j'aimerais énormément qu'il le fasse parce que le perso à l'heure actuelle c'est compliqué et c'est surtout un perso extrêmement emblématique de Legends. Un petit Zenkai ça ferait plaisir juste avant l'anniversaire, ça permettrait de lancer ça plutôt bien même si je vais pas vous mentir, mais j'y crois pas du tout. Bon, au bout d'un moment, vous savez comment je fonctionne, vous savez comment je réussis à mettre les personnages en avant, et vous allez comprendre pourquoi Goku Ultra, c'est beaucoup plus compliqué que certains pensent. Déjà, oubliez pas que je l'ai hard boost il y a ça un petit moment, donc on l'a hard boost strike, et vous allez voir quoi, ça ne sert à rien de la hard boost autre chose que strike. Pour le coup, il y a des persos où même s'ils sont strike, ça vaut le coup de lui les deux, là, vraiment pas, et vous allez voir... Pourquoi? Déjà, c'est pas simple du tout de lui trouver une team. Parce que comme vous le voyez, il va chercher 90% de dégâts via sa cape Z Ultra. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de le jouer avec 6 Saiyan dans l'équipe. C'est pas une question, je suis obligé. Parce que si jamais je mets une cape Z à la place d'un autre personnage, je perds 15% de dégâts. C'est énorme. Vraiment. Et donc si je veux avoir les 90% de dégâts pour pouvoir profiter du perso, il faut que je le joue comme ça. Donc évidemment, en strike, bah, il va chercher quand même une belle valeur. Hein. 273 000 d'attaque strike, c'est plutôt très bien en vrai à l'heure actuelle. Mais vous allez voir que but d'une team, on a réussi à trouver un truc super sympa parce qu'on va jouer avec Bra Vegeta, qui est un Saiyan, donc c'est parfait, qui va donner un support. Et en leader, ça a fonctionné pour la KZ pour la team. Patreon, qui va aussi avoir un support qu'un Saiyan côté revive et tout, ça peut être intéressant pour le mettre en avant. Et on va lui mettre la cape Zenkai de Goku SSJ. Je peux pas lui mettre la cape Z de Gohan SSJ 2, sinon je perds 15% de dégâts. La cape Z de Gogeta 4 qui va cape Z Zenkai, évidemment, le PQAN et cape Z de la team, donc ça c'est cool. Et j'ai mis ce Goku IX de base, j'avais mis le IX C13, mais je ne peux pas, sinon je perds 15% de dégâts. Donc je suis quasiment obligé de mettre ça, ou alors de mettre une deuxième cape Z Zenkai sur PQAN. Mais c'est pas là l'objectif du showcase. Donc en vrai, le IX permet de cape Z les deux premiers, et même si PQAN manque d'une cape Z, bah, je peux pas trop faire autrement, honnêtement, je suis un peu sans solution. Donc voilà, et surtout allez voir au niveau de ses items, parce que c'est là le plus important. Il va avoir un item strike pur, blast pur, qui va fonctionner avec PQAN et ligne royale, donc c'est parfait. Et si aussi les gars, vous êtes, c'est justement cet item là, et c'est son item unique qui fait que tu ne peux pas le jouer en autre chose qu'un strike. Le personnage, il a déjà 30% de valeur strike sur la deuxième ligne, mais augmente de 10% l'attaque physique par combattant, donc attaque pure par combattant de l'équipe Saiyan. C'est une attaque, c'est une ligne pure. Donc c'est-à-dire que bah, vous avez 30% pur. Vous savez, l'item Métisane, les gars, il donne 24. Lui, il donne 30. Sachant qu'on a déjà lui qui donne 10, on a 40% pur. Donc ça sert à rien de rajouter du pur. On est parti sur un item flat derrière du Legends Rank. Donc on a 45% strike. Même plus 45 et 25 ici, on va dire. On a 70. 70 strike, donc c'est quasiment comme s'il avait deux capes Zenkai le perso. Et en plus derrière, on a 40% pur. Je peux pas faire une meilleure optique que ça. Ce n'est pas possible, honnêtement, ce n'est pas possible. Je pense que les gars, ça va être beaucoup trop complexe pour réussir à faire quelque chose, mais honnêtement, on va tenter. Alors, pas de chance, mauvais, très mauvais match-up. C17 MVP et potentiellement Freezer, c'est-à-dire qu'il y a un monde où il y a double bleu, ce qui n'arrive quand même pas beaucoup dans la méta, même dans le jeu, mais bon, on se tape ça malheureusement. Donc c'est très frustrant, et surtout pour réussir à faire quelque chose avec le perso, ça va être dur, en vrai ça va être dur. Après on a une belle opti, de toute façon on pourra pas avoir mieux, hein, parce que je peux pas faire beaucoup mieux que ça. Hard boost, les items, les optis, les cap Z, je pouvais pas avoir beaucoup mieux là. Bon, ça m'arrange que ce soit Jiren, juste il est, dites-vous que dans la team il a Migaté qui le prend même pas. Migaté qui est quand même censé être la star de la TDP, qui est sorti quand même, enfin star de célébration on rappelle, de festival, il y a pas si longtemps que ça. Bah, même pas Népic en vrai, alors que j'ai que Goku Ultra. Je savais pas Goku Ultra, c'était un grand méchant comme ça. Mais bon. Ça va être un des seuls moments, les gars, où je vais pouvoir taper. Ah, ça tape un peu quand même, par contre. C'est pas mal les dégâts en vrai. Après toujours pareil quoi. C'est pas mal, ouais, tout est relatif quoi. Ah
on met PQ Anne, il va pouvoir mettre Jiren là, je pense. Ouais. Ok, on a le rising là. Allez, on va main là-dessus. Au moins, comme ça, on va radio temps attente. On a les dégâts critiques et tout. On sait jamais ce qui peut se passer. Bon, je rappelle qu'on peut pas stun, malheureusement, là. Bon, le break, j'ai même pas fait exprès. Allez, let's go. Dommage qu'on peut pas stun, parce qu'en vrai, là, par contre, ça aurait été un... il y aurait un vrai intérêt. Hein. On aurait eu stun, ça aurait été... bloqué, on avait stun, les gars. Je suis dégoûté. Ok, Goku Ultra. Allez, Goku Ultra. C'est pas mal, ça. Pas de vitesse de pioche, hein, je rappelle. Oui, on en est là, pas de vitesse de pioche. Je pense qu'à l'époque... à l'époque, ils se sont dit, ouais, mais vous avez de la pioche de cartes sur la verte, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Non, non, je m'inquiète pas, non. Bon, alors attention à lui, parce que là, les gars, il a plus la survie, en vrai. Si on le spé, on le tue. Ça, c'est incroyable, par contre. Alors, on va le soigner, donc on le tuera pas, je pense. Eh ouais. Oh waouh! Incroyable ça! Alors ça c'est incroyable! Ça c'est incroyable! Ok cool! On a tué Gohan! Va falloir main ulti les gars, son Jiren au parfait moment avec Goku Ultra! C'est une clé de game là! Ok Jiren là! Oh! Il m'a break! Wesh! C'est quoi ce move? C'est quoi ce move qui me sort? Oh là là! C'est quoi ce move? C'est quoi ce move? Il a même pas fait exprès, je suis sûr. Oh le move! Sorti de nulle part! Mais vraiment de nulle part! Ah ouais, non, là c'est grave. Ok, c'était Clash à gagner ça par contre. Perfect. Ouais, mais c'est la mort de Goku Ultra là, je crois. Il a l'anti-cover, les gars, tout le temps, son C7 MVP. Rien à faire. Je veux cover Blast avec Goku, tu vois, pour essayer de taper, mais je peux pas. Oh non! Bah alors là. Bien joué! Bien joué à lui, il vient de terminer la game, là. Il vient de terminer la game, malheureusement. Bien joué à lui. Bon, vous avez vu, Goku Ultra, pour l'instant, on peut rien faire. De toute façon, il y a un bleu, il y a pas de jaune, on peut jamais taper, réduction de temps, pas de vitesse de pioche, bref, on peut... quasiment rien faire, en vrai. Rising, bon, il va nous dispel, les gars. Donc imaginez quand même.
Ah ouais, on en est là. Ok. Ah, on en est là, d'accord. Bon, bah là, je suis pas très chanceux. Pas très chanceux, mais Goku Ultra, bah... inutilisable, mais vraiment inutilisable. Bon, évidemment que Super 6-7 va annuler, mais au moins, tu vois, au moins, on peut taper ses persos, y a pas de jauge, y a pas de dispel en soi, tu vois, facile à proc, enfin, on a peut-être des trucs à faire, mais honnêtement, en strike, il tape, tu vois. Mais c'est pour ça que je vous montre qu'il y a trop de gens qui ont... hype l'item d'Omega Ultra comme étant un truc vraiment de fou en fait. Alors que l'item d'Omega, foncièrement les gars, on s'en fout. Parce que quand tu vois en vrai ce que rapporte l'item à Goku, alors c'est bien, il lui a rajouté un peu de punch, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il a pas de vitesse de pioche, enfin tu vois. Et un item comme ça, malheureusement, ça suffit pas quoi. En fait, Goku, il s'en sert de panneau publicitaire, ce Goku Ultra, parce qu'on le voit dans plein de pubs sur Legends. Il a servi un moment d'icône du jeu. On le voit dans plein de trailers, dans plein de trucs. Je suis sûr ils vont pas les encacher. Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Après, on a, pour l'instant, c'est pas, se trouve, les Ultras n'auront jamais de Zenkai, mais les EX en ont, les Sparking en ont, je vois pas pourquoi les Ultras n'en auraient jamais. Mais bon, voilà quoi. Ah ouais, bon. En plus, on est face à un mec qui lag, ça va pas être simple, les gars. Bon, on va revoir PQ, hein, de toute façon. Voilà. On a la torpeur sur la gueule derrière, donc non, mais c'est nickel, tout va bien. Ce ladder me rend aigri, les gars. Y'a rien qui va. Ouais, c'est pas... on peut pas dire que c'est des mauvais dégâts en soi, mais bon, c'est pas... Ah ouais, non, Goku Ultra, c'est dur. Ah ouais, Goku Ultra, c'est compliqué, hein. Oh! On aura au moins vu ça du showcase. Voyons voir les dégâts sur du 4 étoiles, là. Voilà. Là, sans vous mentir, je pense que j'étais au max de ce que je pouvais faire de Goku Ultra, là. Ah ouais, mais si en plus le mec en face il fait pas l'effort d'attaquer, bon. Mon ami en face, il pourrait faire un petit effort d'attaquer quand même vu la gueule de ta team. Mais ouais, bon bah Goku Ultra, j'ai beau essayer d'en faire ce que je... Je peux pas. Je tente mon max et tout, tu vois, mais... Et en... ouais, ça... Ah c'est dur, ça va être dur d'essayer... Si je cale un one shot, ça sera le maximum. Vraiment, je max. Là, dites-vous, je suis hard boost, 4 Zenkai, je suis au max de l'opti de la capsule ultra. Au niveau des items, je suis au max. Non, mais de toute façon, en fait, il y a des persos, genre, que je showcase des fois. Tu sais, je sais que par chance, si je tue au bon moment, j'ai la récup de TP, j'ai un truc. Lui, je sais que c'est pas une question de chance. Je pourrais... Le mec, je pense qu'il peut poser ses persos comme ça là. Je sais même pas si je le tue en 180 secondes. Après, honnêtement, les gars, j'aurais pu faire le malhonnête et vous showcase Goku Ultra avec le tac TDP sous full cap Zenkai. J'aurais pu faire ça. Mais c'est nul. Parce qu'il aurait aucun boost de sa cap Z Ultra. Le perso, il aurait rien fait de la game et ça aurait été tout le tac TDP qu'aurait pu faire. Donc oui, tu peux gagner avec Goku Ultra. Mais en mettant Goku Ultra comme élément central de ta team... Eh oui. Et là, le perso, c'est un perso en plus qui est design pour être comme ça normalement. Alors, autant vous dire que là... Autant vous dire que là, on en est loin, quoi. Il va switch, là, je pense. Oui !
les strikes, elles sont pas si mal. On a connu pire quand même. Si je gagne face à ça, je vous jure, c'est la honte internationale pour l'adversaire. Oh bah c'est fini là, j'ai perdu. Oh non, on passe pas à travers, c'est vrai qu'on est... Oui, je suis bête moi. Je croyais que j'étais Gogeta moi. De toute façon, je pouvais pas faire grand chose, hein, de toute façon. Le lock de la verte ici. En vrai, main ulti, je stun. Est-on jamais je... J'aimais ça, j'aimais. De toute façon, il a une verte les gars, voilà. Peut-être qu'il a une spé, mais vas-y go, on y va, j'en ai marre. Non mais... Oui, non mais, enfin, il a une verte, mais j'ai désolé les gars, je pensais pas qu'il avait deux vertes. Désolé, je m'excuse, très sincèrement, je... pense pas que notre adversaire aurait deux cartes vertes. Dégage toi, tu nous saoules. Tu sais que t'as le droit, hein. T'as le droit de stun, hein. Franchement, c'est autorisé, hein. Vas-y, stun. Ah, s'il le tue pas, s'il le tue pas. Et largement. Mais je peux pas. Et voilà. Bon, il me tue de rien en plus, donc j'ai encore plus ce sème. Bon, moi, ça aurait été sympa 2 minutes. Hein. Ça aurait été sympa 2 minutes. C'est exactement ça, le sujet, en fait. Wow, ça va le combo? Ah ouais, d'accord. Bon, bah on va mettre l'aspect en vrai. S'il est bête, il va se laisser avoir, mais je pense pas. Ah bah c'est... Non, c'est SP, il a généré une SP hein, sur le main. Hein. Ah, merci. Ah. J'ai pas d'anti-cover, les gars, donc on y va. Hein. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Ouais. Bah, oh, on a... Oh. On aura tué Super 6-7, quoi. Voilà, on aura tué Super 6-7. Le tag lignée royale. Les gars, c'est ma seule chance. Vous verrez pas deux chances de réussir à faire quelque chose avec Goku Ultra. Je vais avoir une game, ça va être celle-là, enfin pas falloir que je me loupe. Hein. Bon après si tag il est sur Vegeta, voilà, mais là le jeu il m'a donné une opportunité de réussir à mettre des gros strikes, mais vous en verrez pas beaucoup des opportunités alors. On va essayer de se délecter de tout ça nous. Waouh, ça joue super bien en face. Bien joué ce move. Il va nous spé la tronche en plus. Ah non, on a dû détruire la carte, je pense. Hein. Bon, est-ce qu'il va s'arrêter de taper? Aspect ici. Ah
Ok, on va Razid. On se rapproche de quelque chose là, n'est-ce pas? Le kill? Ok, pourquoi pas. Là, ça serait top d'attraper Gohan, main ulti, mais... Attends, c'est plus joli sur le papier. Vas-y, j'en ai marre de Gohan. Il m'a saoulé, Gohan. Et il m'a saoulé, Gohan. Il contre même les cartes vertes. Non, mais c'est n'importe quoi, franchement. Allez, main ulti, on va prendre le kill là, je me casse. Allez, vas-y, tue. Non, il va tuer large là, en vrai. Là, pour le coup, je pense qu'il va tuer. Voilà. On est large. Les gars, c'est la seule game cool que vous verrez du perso. Je vous jure, c'est la seule. Vous en verrez pas d'autres. J'avais cette opportunité, je crois bien que je l'ai prise, les gars. Donc, bon, il faut rester... Ouais, reconnaissant. Parce que là... Et en prime, on verra la pause de victoire. Les gars, je pense que ça sera la dernière game. Je pourrais pas faire beaucoup mieux de Goku Ultra. La pause de victoire, un ulti qui kill, des strikes intéressantes face à une team qui est pas optimisée et un match-up très agréable. Mais honnêtement, c'était la seule game possible. Donc voilà, on se dit à très vite. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.